أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. Voilà, increase nos connaissances du Coran. Amin. 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 Aujourd'hui, c'est, je pense, une révision. La révision. Ça, c'est les lettres, les quatre dernières lettres qu'on vient de voir. Hein? Je les ramène de temps en temps pour que ça se rappelle. Ça, c'est un tas. On a déjà vu un tas qui a l'air d'une pirogue et on a mis deux points au-dessus. Okay? On a vu le ta marbouta qui est un zéro avec deux points au-dessus, le ta féminin. Et s'il est attaché à un mot, il a l'air d'un rectangle. Okay? Okay? Les deux points au-dessus, le ta marbouta. Ça, un za, on a déjà vu un za et on a déjà vu un zal. Okay? Ils ont à peu près le même son pour nous qui ne sommes pas arabes. On ne fait pas vraiment la différence à moins que tu t'assoies avec un arabe qui te force jusqu'à ce que tu dises à proprement. Sinon, autrement dit, ça ne rentre pas. C'est tous des A, des Z. Celui-là, des A, qu'on a vu la dernière fois, on dit ça, tu mets la langue derrière les dents de la mâchoire supérieure. Ça donne ça, comme le ça, ça. Le ça qui a trois points, n'est-ce pas? Le ça. Puis ça. Fa, c'est le son sort la même. Okay. On a vu le zal, qui est le petit dé avec un point dessus. On appelle salut. Je t'ai dit salut, sinon on l'appelle zal. Okay. Et on a vu le za souriant, qui est un rat avec un point au-dessus. Qu'est-ce que tu te rappelles? Un rat avec un point au-dessus. Za, souriant. Oh, tout ce temps qu'ils sont, c'est des z. Okay. Now, on a vu Saad. Saad, c'est un S. On a vu un autre Saad qui est comme ça. Et le Saad, le signe du signe Salom. Le S du signe Salom. This way. Et on a un Dad. Dad. OK? Dad, ça, c'est un D. On a un autre D de D qui fait ça, n'est-ce pas? De Muhammadou. Muhammadou. N'est-ce pas? Hey. Donc ça, il y en a deux. Non, ça on a trois qu'on a vu. Ta marbouta, ta avec les deux points et ce ta là. Le za, on a trois qu'on a vu. Le zal, le za et le za souriant. Ça, on a ça. On a le sa, le s et le set, le sin salum. Et le dad, on a vu dad, celui-là et le dad de Muhammadou. Ils ont presque le même son. Nous étrangers. On ne fait pas une grande différence quand. Mais l'arabe, quand il dit ça, tu sens. Même certains arabes, quand ils disent ça, tu ne sens pas la différence. Je me rappelle bien à Michigan, tous les vendredis, non, les samedis et les dimanches. La prière du samedi et les dimanches de Fajr, tout ce temps que nous sommes, on s'assoit autour d'environ 20 à 40 personnes. Hein, nous sommes tous des étrangers de tous les pays musulmans. De l'Arabie Saoudite au Yémen, tout le Pakistan, le Bangladesh, Jordanie, tous les pays de l'Afrique du Nord, Maroc, chez nous, Sénégal et en Afrique, on était avec un Nigérien, un gars du Nigeria. Oh, lui, quand il lit, le son qu'il sort, ça te vient, tu sens ton corps, ta poitrine bouge. Non, j'ai dit, le gars, c'est très beau, c'est ton docteur. Mais quand tu lis, oh, c'est tellement beau. C'est quand tu lis notre imam, il est du Ghana. Il est du Ghana, mais il est devenu vieux. Maintenant, c'est un gars qui de Palestine,
La beauté en est que le gars ne parle signe. Il a fait presque les pays du monde entier. Comme il me dit, brother, il essaie de parler français. Après, on le commente, J'ai dit, qu'est-ce que c'est? What did you say? Il dit, oh, you don't speak French? I said, that's not French. Et il me dit, ok, je pensais que c'est du français. Il imite tous les gens. Donc, il a fait tous les pays. Il a fait. Non, il est venu, brother. Il me dit, brother, moi, j'ai pas de pays. J'ai pas de pays. Ok? Il a fait la Palestine, là où il est né. Il a fait le Liban, la Jordanie, jusqu'au Brésil. Il a vécu partout. C'est lui qui nous fait lire. Donc, comme il a fait tous ces pays-là, il a les sons de tous ces pays arabes-là. Et quand les Égyptiens récitent, les Saoudiens disent non, c'est pas comme ça qu'on dit. Les Irakiens récitent, les Saoudiens disent non, les Irakiens nous corrigent. Les Jordaniens récitent, et ceux-ci corrigent. Mais nous, on ne voit pas la différence. Il n'y a pas une très grande différence. C'est la beauté qui fait que même si par exemple, le mot, quand on récite Fatiha, je vais dire. Quand on récite Fatiha, je me rappelle la première fois que je suis allé... Non, toi, tu sors, ouais, ça m'a dit. Je veux passer à la autre page. Le truc-là, il me crée des problèmes. Quand je veux sortir, il ne veut pas sortir. Man! Ouais, je ne sais pas pourquoi. Je voulais retourner à Fatiha. Let me go, tiens. Ok, non, le Akendo, tiens. Voilà. Fatiha, si ça, là... Ça, c'est un dad. Il faut le faire correctement. Sinon, ça a le sens d'un autre mot. Et alors, la première fois que j'ai repris à lire, on est allé, l'imam de Little Rock est venu à notre mosquée là où on habite. Et on s'est amusé à le dire, ok, on va réciter. On s'est assis de temps en temps. Il est très jeune, lui, il est arabe, il a fait ses études de chimie. Après, il a demandé qu'il veut devenir imam. On dit, ok. Tu laisses ton boulot et tu deviens imam. Ouais. On a tous récité, on a faussé ça, on a dit Dalin. Okay? Comme un dad de Muhammadou. Il a dit non, ça c'est un dad, ok? Il faut le faire un peu rock. Okay? Voilà Dalin, instead of voilà Dalin. If you say Dalin, then ça veut dire un autre mot qui est très mauvais. Ok? Oui, c'est Dalin, oui. Sinon, si ça ne s'en tire pas vers un mot qui est mauvais dans le Coran, c'est bon, il n'y a pas de problème. On tolère. On rappelle bien qu'il y a eu des Arabes qui sont venus dire au prophète Bilal, il ne peut pas dire le cheikh, n'est-ce pas? Il se complaint, il ne peut pas dire le cheikh. Alors, le prophète. Il faut lire son bouquin. Je suis en train de lire un bouquin. Un gros bouquin. Quand on termine, je te le montre là. Il a 800 pages. J'ai terminé environ 3 bouquins où l'on a écrit la vie du prophète. Je ne pense pas qu'il y a une personne dans ce monde-là qui peut être comme lui. Non. Il est... Les gens viennent se plaindre, ils leur disent attention. Bilal, le chine là, ok? Asha'adu an Muhammad, Asha'ad. Ça vient de son cœur. Oh, oui. Ça vient de son cœur. C'est pas léger. Prophète. C'est de prophète, il n'y a pas. Je lis, je rigole, je ris, je pleure, je lis, je dis. Enfin, des fois, on fait une séance. On dit, oh, aujourd'hui, le prophète sera très énervé. Mais il vient pour juger. Il fait, je dis quoi? Je dis quoi? Non, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Oh, yeah. Ok, on y va. On a vu ça. On va lire. On va lire quelques 4 pages et puis on termine. Ok? On va aller très vite. Ok? Chikhroun. Allez-y. Si je dis quelque chose que tu ignores, tu me dis non, qu'est-ce pourquoi ça, ok? Shajarun. Sajadatun. Ok? Samaun.
Rishatun. Tamar Bouta, tu as vu? Là, il est à la fin, il s'attache à la lettre précédente, il devient un rectangle. Tu as vu? Jaisun. Jaishun. This is a sheen, the sheen of sheen, la sheen. Jaishun. Voilà. Asadu. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est parti? Ok. Ok. Ar. Asraru. Yeah. J'ai dit ra parce que ça c'est le alif vient pour rendre la lettre A très longue. Okay? Comme le ra ne s'attache pas à la lettre qui vient après, il est à part, ok? Voilà. Avant, quand je venais de commencer à lire le Coran, quand je vois des mots comme ça, je dis si c'est ça au mot à part et ça au mot à part. Ok? Mais c'est un peu crève, donc c'est un seul mot. Je me suis débrouillé à les écarter ici pour que l'on cherche, ok? Et celui-là, Asasu. Ush. Ustazun. Mm-hmm. Darsu. Darsu, c'est la leçon. Okay? Jalasa. C'est assis. Hein? Sarsun. Shajaratun. Ta marbuta. Okay? Ta vie, il est pas attaché à la lettre qui vient parce que Ra ne s'attache pas à la lettre qui vient après. Déjà, il est devient un zéro. Okay? Char shun. This is sheen of la sheen, ok? Okay. On va à la prochaine. Ok. On y va. Hash. Sun, ici le ha, et ça c'est le shin de la Chine, ça c'est le su, ça, the sin of Salum, Salum, n'est-ce pas? Has, hash, sun, hash, sun, allez-y. Bien. Ha, sa, run. D'ici de ça, le tic là, tu le rappelles, le petit tic là, il doit être là-bas, ok? Ok, il est aussi ici, le tic, ok? On dit ça, da. Je t'ai dit, le canard, quand il vient, qui n'a pas de pied, il devient un alif, ok? C'est la grammaire. Quand le canard vient, il n'a pas de pied, il joue le rôle de alif, ok? Voilà. Jira. Go ahead. Il le rend un tout petit peu long. C'est Sada. J'ai dit Sada. Mm-hmm. Jira su. Ri. J'ai dit ri because le canard est là pour rendre la lettre longue. Ri. Chatun. Okay. Jai Shu. C'est Jim qui donne le son A, Ja. Et ça, c'est la lettre de canard qui vient ici. Il est silencieux. Depuis cela, on dit Jai Shu. Ok? Et celui-là, Rasa Su. Ok? Le rat ne s'attache pas à la lettre qui vient après lui. C'est pour cela, ok? Ok? Et aussi, this is la lettre arabe par excellence. C'est là, si tu viens la dire
partait devant les gens sans que le gars-là, c'est un arabe, il a fait les pays d'Arabe. Comme le gars de Mauritanie qui a fait la dent. Dès qu'il a fait la dent, les gens m'ont dit, il est d'où? J'ai dit Mauritanie. Je dis, son analyse parfaite. Okay? Khoushoub. Khoushoub, le H tremblant. Choub, très bien. Assassou. Oustazoun. This is Zal, de Saliou. Zal. Ok? Ok? Isasu. This is the hi, de Hamidou. Il donne le son i. Hisasu. Ok? Ok? On a sa. Sorry? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça, on a très bien. Qu'est-ce que j'ai dit, Hisasu? Très bien. Tu es en train de suivre. Hisabu. Très bien. Très bien. Je me suis dit, je suis Hisasu, right? Hisabu. Tu as raison. Ok. Sabahun. Ça, c'est la lettre H. Amidou, ok? Ok? Sar, sar, sun. Sha, ja, ra, tun. Très bien. Sauti. This is sword, sword. Ok? Là, le tic là, hein? Tic. On va à la prochaine lettre. C'est Hash, Hash, Sun. Ok. Okay. Ha, Sa, Run. Du, Da. Ça, c'est Dad. Dad, ok. Dad, le dad qui est sévère. Ok, dad. Ok. Jiradun. Jiradu. Sorry. Ici, dad, à la fin du mot, il garde sa queue. Ok. Ici, dad, il a perdu sa queue à partir d'ici pour s'attacher à la lettre. Ok. Ok. Okay. Di. C'est ça. Il y a le canard qui vient ici pour rendre la lettre longue. Di. Chatun. Très bien. Ok. Jad chou. Jad chou. Ra di sun. Le canard est là pour rendre la lettre I très longue. Ok. Ok. Houdoudou. N'oublie pas de faire trembler le H1. Khoudoudou. Très bien. Daoun. Ça, c'est Hamza. La lettre Hamza qui n'a rien à voir avec un H. On l'appelle Hamza. Il joue le rôle de A. De Alif, ok? C'est lui qui vient toujours. Je dis toujours à mon gosse, mon fils. Il vient aider Alif quand il se met en O pour donner à Alif le son A, le son U. Il donne le son, il se met en bas de Alif, il donne le son I à Alif. Il vient, il se pose sur le Waou. Sur le Waou, il peut se mettre ici et il se repose très bien. Il fait comme si c'est sa maison. Waou dit, mais toi là, qu'est-ce qui se passe? Je dis, toi, tu n'as pas de son. Je viens là pour t'aider, pour te donner un son grammatical. Ok? Tu vas le voir au-dessus de ça et tu vas le voir des fois sur une ligne où il n'y a rien, on le met dessus comme ça. Dans le Coran, tu vois un mot, le mot, un caractère, ce caractère-là vient ici, l'autre caractère qui vient, par exemple, où ça? L'autre caractère qui vient bien avant ça, il est long, on met un tiret ici, bien avant le alif, on le fait de poser dessus comme ça. Hein? Et on lui donne un fataha. Dit, oh,
Quelle lettre il vient aider ici? Il dit, je n'ai pas besoin d'aider quelqu'un. Je me mets là où je veux. OK? Hamza. Hamza. OK? Hamza. OK? OK? On va à la lettre suivante. Ri. Ça, c'est le za souriant. OK? Zir. Soudou. Zir. Soudou. OK? Le za souriant. Tu fermes la bouche. Et les dents, et tu fermes les dents, tu smile, tu souris et tu dis za. Ok? Ok? Hisabu. Mm-hmm. Sabadun. Dis la lettre ba avec un a, avec il est long. Ok? Ça, c'est la lettre dad, le sévère. Ok? Et il a le son un. Okay? Comme il a la fin du mot, il n'a pas perdu son sac. Okay? Sarsun. Okay? Ça, c'est Sin Salum. Sin Salum. Okay? Dajaratun. Oh, je me suis trompé. C'est pas ja. Il n'est pas long. Hein? Dajaratun. Dajaratun. Ok? Ok? Daouti. Voilà. Et on va à la lettre suivante. Ok. Sat. Ça, c'est ta. Ta. Remember ta. Ok. Celui qu'on a dit avant-hier. Sat. Hun. Sat. Hu. Ok. Sati. Run. Ok. Anna, j'ai tiré le ti. Il n'est pas tiré. Hein? On devait dire satirun. Satirun. Yeah, ouais. Si on dit ti, il est long. Satirun. Hmm? C'est la façon dont la lettre est tirée dépend de les lettres précédentes. Si les lettres précédentes, si je dis ça, et si je, le temps que j'ai mis le ça, le temps que j'ai mis sur le ça, il est plus long que celui-là, donc je l'ai tiré. Par exemple, on dit satirun. Ça, c'est normal. Okay? Mais si je dis ça, Tirun, c'est rond, parce que celle-là, je l'ai lu, elles ont le même tempo en musique, mais celui-là, je l'ai tiré un peu plus long. Donc, c'est pas bon. Okay? Sa tirun. Je peux dire sa tirun. Oui, pour garder le même tout le monde. Oui. Okay. Sat hi. Ok, le canard est venu pour rendre la lettre très longue, la lettre H, Hamidou, très longue. Ok. Jaradu. Jiradu. Sorry, c'est un petit truc. Jiradu. Ok. Chartun. Sarirun. Radisun. Chari. Tun. Daoun. Satahun. Ta-irun. Tu as vu le Alif, le Hamza qui est venu ici? Il est très poli. Il est là-bas, là, il dit, attends, je vais me faire un petit puits là et je m'assois là-dessus. Ok? Je vous dis. Ok? Des fois, on fait un tiré de comment et on le pose dessus. Bon, ça dépend de celui qui écrit. Ok? Celui, le, sa, ti, sa, sa, ta, i, ru, ta, irun, ta, irun. Ok? Il se met, Hamza, il est l'ami de tout. Hein. Il vient, il se met n'importe où, il est content. Okay? Da, ba, dun. Sa, ba, dun. Allez-y. Très bien. Rash, ta, tun. Ok, ça c'est un ta. Mais celui-là, il est un peu lourd. Okay? C'est rash, ta, tun. Ok, da jaratun. Ok,
Dauti. Ok. What? Ça ne vient pas? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Ah, il y a quelque chose qui ne sonne pas. Attends, je vais ça. Ok. Et on a, là, ça, c'est la lettre, la dernière lecture, et on termine. Ok? Ça, c'est la lettre ZA. Ok? Tu te rappelles? Ça, le ZA. Regarde ici. On a un ZA, on a un TA. Ce qu'on a étudié dernièrement. Ok? ZA, ZA et un TA. ZA, TA. Ok? On y va. SAZ, HU. SA, TI, RUN. SA, TI, RUN. SA, TI, RUN. Ok. SAZ, HI. Ji radu Shartun Sarirun Radisun Raditun Sharitun, sorry. Sharitun Zan Saz Hun. Il est là. Et Ta Irun. Su Ju Hun. Ok. Saz Hi. Il est là. Ok. Su ti. Regarde, celui-là, il est, on va le tirer, n'est-ce pas? Su ti hatun. Su ti hatun. Allez-y. Rash zatun. Voilà, on arrête ici. Je vais arrêter l'enregistrement.